On a quoi? On a une grosse heure 40 devant nous avant de voir cette histoire de trailer sur le prochain jeu Bleu H, le prochain jeu Javel. Il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près. Vous savez sur quel site ce sera visible d'ailleurs ce trailer là? Apparemment ça en parle beaucoup mais bon, ça reste assez flou globalement. Oh mais voilà un énorme trou là. Comment sur YouTube? Ouais peut-être, peut-être. Et l'énorme trou que voilà. Ok. Et moi j'ai pris le compte à ma mère, ce Holo Clown, j'ai retiré. Ah d'accord. Ok, ok. Je vois, je vois. Ah, apparemment c'est pas par là. Hein. Au pire des cas, je rechargerai la zone. Pas dimanche. Bah, skip, non. Hein. Pourquoi il a attendu la punition, ce gros bouffe? Non, non, apparemment, cette nuit... Enfin, c'est pas qu'ils vont annoncer un nouveau jeu Bleach. C'est que ça fait déjà plusieurs mois qu'on sait qu'il y a un nom de domaine, qui a... enfin, un nom qui a été déposé pour un futur jeu Bleach. Et on n'en savait pas plus. Ça en était resté là. Putain. Bordel de merde! Mimi qui a dit meurs. Oh putain de merde, t'es qui toi? Ok, il y a un gros bouffe en bas. Pas l'air drôle. Hein. Et donc du coup, ouais, cette nuit, a priori sur les coups de 2h du mat, 2h30, il y aurait un... Mais tu commences à... Eh hey, mais oh, les moutons commencent à me faire chier, les gars. Ok. Et donc cette nuit vers 2h30, je vais réussir à finir mon explication un jour, je vous jure. Il y aurait un trailer qui serait dévoilé. Oh vas-y, des ours là-bas, là. Oh, bada bordel de merde. Ah bah sans langue et la mimique. Ah, c'est le rempart. C'est le rempart et c'est les nounours. Ouais, oh, 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 oh. Voilà, 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 déjà. Commencez. Voilà. Ensuite, t'es trop lent et tu meurs. Voilà. Bonne nuit, Seiya. À une prochaine. Tagada, tagada, voilà les dalles. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette zone du plan cul? Os imposant de bait. Je pensais que c'était pour Bleach sous la résonance. Non, du tout, non, 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 absolument pas. Voilà, on parle vraiment de tout à fait autre chose. C'est bel et bien un autre jeu. Là, on parlerait plus d'un jeu console, a priori. Pas d'un jeu mobile. Pas des ours runiques, ça. Ça, ça va être des problèmes. Ça, c'est pas des ours runiques, c'est des problèmes. Big boy.
Oh mais tu tombes avec ça? Oh bah d'accord. Je me suis inquiété pour rien. Oh, muscle doré. Sur le Twitter, c'est 15 juillet, 17h30, Nord-Amérique, donc c'est 2h30 chez nous. Ouais, c'est ça, c'est 2h30 chez nous, ouais. Après, selon qui édite ça, bon, si c'est un jeu bleach, il y a de fortes chances que Bandai Namco passe dans le coin. Peut-être que ce sera sur leur... je sais pas sur quelle chaîne ça va être diffusé, ça. Oui. Oui, voilà. Ça, ça me plaît, ça. Oh, je vois des doigts tordus partout. Miam, 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 miam. Oh, les gros doigts. Oh, miam, miam, les gros doigts. T'es vivant, toi? Oh, t'es mort. Pour Disney, c'est faux. MDR. On verra en temps et en heure. Ouais, ouais, mais on essaiera d'être à l'heure un minimum quand même, quoi. Surtout que là, bon, parti comme je suis parti, je viens de relancer une VOD. Spoiler, à 2h30, on est encore là, hein. Non! Non! Vous avez vu ça? Premier boss! Elden... Il y en a deux. Moins drôle. Il y en a deux, moins drôle. Mais j'ai l'info. J'ai l'info, j'ai la ref. Oh bordel! Incroyable! Littéralement... en dehors du boss du tuto, le premier boss du jeu, quoi. Incroyable, eh. Énorme. Oh, ça faisait longtemps, les petits cavaliers bouffent à la con, hein. Enfin, sauf que eux, je pense que dans le DLC, à mon avis, ils vont m'apprendre le respect, hein. Ils vont m'instaurer un petit respect, là. Miam, 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 miam. Est-ce que je peux invoquer, là? Est-ce qu'ils sont là, en soi, là? Et après tout, ils sont deux. C'était qu'une répartition. C'était qu'une répartition équitable des forces. Ah, bonjour. Ah, regarde, il y en a un juste là. Oui, mon calibre 50 quand j'en ai besoin. Hmm. Deux secondes. Monsieur Port. Meurs, connard. Descends du cheval. Alors du coup, comment ça se goupille ici là? Parce que là, il y a plein de trucs là. Comment que ça se goupille? Il y en a un qui va me tomber dessus là. Il y en a un qui va m'arriver de la droite en mode coucou hibou là. En mode, hé hey, tu m'avais pas vu. J'avais fait exprès de dire que j'étais mort. Ha ha ha. Oui, oui. T'as vu, hein. C'est que t'es là, hein. Surprends et t'intéresse personne, hein. Regarde-moi-le. C'est lui! T'es incroyable! Wouah! Oh les vibes! Oh c'est complètement lui quoi! Wouah! Les vieux souvenirs! Incroyable! Aïe! Aïe, sort tes pecs! Oh, dommage! T'as rien! Donnez une petite motivation! Encore! Allez! Again! Allez! Allez! Ah, ils sont longues! Ennemi abattu! Ouah, d'accord, elle était juste là pour lui, quoi. Oh, bénédiction de Mike! Très bien, très bien. Ok, ah, marrant, marrant, marrant. Oh, c'est toujours. C'est toujours les bons gros bouffes que c'était, hein. On en rigole maintenant, mais... Bon, je compte un 33ème boss, hein, parce que du coup, il avait une barre de vie, hein, donc c'était un boss. On en rigole maintenant, mais à l'époque, quand on les croisait, on les aimait pas, hein. On les aimait pas du tout. Ah, puis l'autre, là-bas, il a un bouclier. Il a pas une torche. C'est une autre sentinelle. Pour l'instant, je vais l'esquiver. Je vais passer par là où venait par là d'où venait l'autre sentinelle. On va regarder un petit peu leur domaine de chasse. Pourquoi il y en a deux, là? Qu'est-ce qu'ils gardent tous les deux, là?
Et là, imagine, il n'y a que des sentinelles de l'arbre ici. Et plus on avance dans la zone, et plus c'est des sentinelles ultra vénères, sa mère. Et à la fin, il y a la sentinelle Terminator T8000 triple X Platinum God XXL. Fini. Mort, 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 mort. Sponsored by Malenia, hashtag pub. Où est-ce que je vais? Oh! Le petit chemin qui sort de la noisette. Oh, la pampa bien dorée, là. Ouais, ouais, je pense qu'il va se passer des choses, là. Ouais, 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 ouais. Là, j'ai envie d'aller voir l'autre cavalier, là. Ah, il est un peu haut, maintenant, mais... Enfin, je suis un peu haut. Lui, il est un peu bas, mais... Oh, je peux aller sur ce petit chemin qui sort la noisette. Eh ben, allons-y. Oh, ouais, là, je sens... Oh, ouais, ouais, ouais. Là, ici, là, ça, c'est la démolition de mon fion, ça. Sims Legit, en même temps. Oh, la musique. C'est quoi cette ambiance ici? The fuck? De fois, son père. Incantation secrète de la reine Marika. Représentation de la bienveillance de l'or sans émission de l'ordre. Crée un petit arbre monde illusoire qui protège progressivement les... qui restaure progressivement les PV des alliés proches. Marika baigna d'or son village natal. Bien qu'elle sût pertinemment qu'il n'y avait nulle âme à soigner. Mais non. Le village natal de Marika. Wouah, d'accord. Ah ouais, la zone elle est lourde de l'or quand même. Par contre c'est un très gros spell, hein. 70 de magie, what the fuck, hein, de fois je veux dire. What the fuck. Donc Marika était une mago. Ah, une mago, une chamane du coup quoi. Oh, le bazar. D'accord. Ouais, en vrai, le lore de la zone, il est incroyable. Le village natal de Marika. Ah, vraiment. Ça, c'est très, très fort. Hein. Ça, c'est, cette zone en termes de lore, elle est huge hein, quand même. Ah, mais c'est une vraie zone. Vu la haute. Waouh! Calme-toi. Ah. Je suis prêté à dire, après, vu la hauteur, il y a des chances que je me bute. C'est alors que contre toute attente. Un chemin.
Ça semblait pertinent. Et finalement, la révélation. Pas du tout. Oh mais là, ça sent la mort. D'ailleurs, il n'y a pas de site de grâce là dans son putain de donge là. Son putain de village. Ouais, non, mais là c'est 10 fois trop là. Quoique, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Non, bah là, non, évidemment que non. Ah merde. Bon bah maintenant c'est soit ça passe, soit je canne. Oh mais j'en ai fait tout un flanc. Y'avait rien en fait. Non mais la hauteur me semblait tellement guaquée en fait. Y'a rien là. Pourquoi cette zone de mort? Mais... que ce bait à la con. Ah c'est pas fini. Oh là là. Là, je vais tomber nez à nez avec Marika en train de cueillir des pâquerettes. Et de faire une couronne de fleurs en chantant Kumbaya, quoi. Non, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Mais ça me paraît évident que j'ai rien à faire ici. Ah, quoique. C'est pas si évident que ça. Nique ta mère. Bah voilà. Eh ben, ouvre-la bien dans la merde. Ah bah là on est humble, hein. Ah ouais là. Ah y a pas à dire là vraiment. Génial. Ah c'est vraiment ça c'est du bon bait. Hein. Merci FromSoft, hein, merci d'exister. Hein. Ah vraiment là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous là de ce passage de ce moment précis vraiment. Hein. Incroyable. La meuf l'a bien baisé, tiens. Eh ben, c'est super. Là, il est hors de question de remonter. Dans la tour? Comment ça, dans la tour? De péter un plomb? On voulait jeter la tour. Là je saute, je die. Hein. Là je saute, c'est la mort. Hein. Déjà y a rien qui indique. Parce que je vois qu'il y a un balcon là. Y a rien qui indique que déjà je pourrais atteindre ce balcon. Et puis bon certes je peux appeler le cheval. Là même à cette hauteur là je meurs. Hein. Je meurs. Non, je pense que là, la tour et le balcon, c'est juste un énorme bait, hein. Y'a pas l'air d'y avoir de porte. Bon, je pense que là, je me suis fait turbo baiser. Bon, après, hein, je vais te dire au stade où on en est. J'ai combien de runes sur moi? Ouais, ça fait chier, quand même. Si je dois revenir jusque-là pour aller les chercher, t'inquiète, l'enfer.
Bah oui, bah évidemment, évidemment. C'était évident. C'était bien sûr putain d'évident. Il y avait rien à faire là. C'était juste évident en fait. Va falloir aller retourner chercher les runes là-bas. Let's go. Bon, alors maintenant où sont mes runes? Autre paire de manches, ça. Le village des chamans. Bon, au moins on peut se redélecter un petit peu plus de l'ambiance. Si je préférais me délecter de mes runes. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de maison dans laquelle, au moins une dans laquelle on puisse rentrer. Je pense qu'en termes de storytelling, ça aurait pu mettre une petite valeur ajoutée, ça aurait pu être cool. Vas-y, enfin, je passe ça, je me re-tépé de l'autre côté. Bon, c'était là où j'en faisais tout un fromage de la hauteur de chute alors qu'en fait il n'y avait que dalle. C'est ça. Alors, putain, il me les a laissés en bas, mes runes. Ma gueule. Il me les a laissés en bas, ce bâtard. Non. Oh, le sale jeu. Il a vraiment fait ça. Le sale putain de jeu. Mais non. Il m'a laissé mes runes en bas. Mais pas du tout. Elles sont où? Merde, je viens de me faire baiser là. Ah non. Oh, je les vois. Ils sont juste en dessous. Mais j'avais sauté à partir de là. Ah non. C'est bien. Dans le bouc, bizarre le jeu. Ouais, donc s'il m'a laissé des runes là, ça veut dire qu'il y a quand même un truc à faire. Sinon, si c'était un plan cul lié au décor, il m'aurait certainement ramené en arrière. Ta mère, voilà. Juste Nick, voilà, Nick. Comment ça, le pantin? Mais c'est la... C'est la meuf qui est dans l'église de mes genoux là. Avec l'eau de bouffe. C'est la meuf avec le. Bah qui a l'armure de Sauron là. Alors. Attends, parce que fallait quand même se cogner les falaises du village de Marika de blablabla mon cul pour venir jusqu'ici et voir ça. Anna. Attends. Ah non, c'est Jolan. Jolan. Pantin d'Anna. C'est sa sœur. C'est celle qu'on a croisée en dessous. C'est celle qui a essayé de nous buter en dessous. On a croisé une autre épéiste.
Mais là, pourquoi le pantin? Mais genre, c'est un evil important? Oui, pantin d'Anna, d'accord, oui. Now. Il y a un loot en bas là. J'ai jamais pris. What the fuck? Apparemment, le jeu me dit que je peux descendre par là. Hein. Ça me paraît tellement au bordel. Parce que ça, attends, ça c'est une salle à laquelle on n'a pas accès en temps normal? Semblerait, oui. Le bazar. Vers le cinéraire du maquinicien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel? Bonne nuit, Bing Shady. À une prochaine. Ah, la musique était très apaisante à l'instant dans le village de Marika, effectivement. Effectivement, effectivement. Et là, je suis déjà venu. Là, je suis venu par le biais du... de la petite énigme via le... le saut de la connerie, là. J'ai récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. D'accord, alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on en a à carrer de cette information? Je vais devoir aller reparler à la... je pense à Yolan. Yolan, Jolan ou comment... quoi que... peu importe comment se prononce son blaze à l'autre là, je vais devoir aller retourner la voir. La cathédrale de Métiarlanus, là, ça fait un moment que j'y suis pas allé, là. Il faut que je retourne au village de Marika, parce que du coup, il y a encore un soldat, là, un cavalier que j'ai pas vaincu. Elle est toujours là, d'accord. Et ainsi, Flixy pour le follow, bienvenue. L'un comme l'autre n'ont rien à cirer. Be on your way. I will hear no more about this. Wouah, attends, vous êtes zarbin dans cette famille là, putain. Je sais pas ce que vous y foutez là-bas, je sais pas ce que vous y consommez. Mais changez rien, ça a l'air d'être incroyable. Hein. Putain. Là, par contre, chose rigolote, je ne peux plus invoquer. Bien qu'il reste un soldat, un cavalier bouffe là. Enfin, un cavalier bouffe. On va respecter un peu parce qu'à tout moment, lui, il va m'apprendre le respect. Allez, je vais lui souhaiter la bienvenue à ma façon. Ah!
Ça me touche ça? D'accord. Et la bénédiction des Maricas. Et ça nous fait donc un 34e bossif. Ok. Oh bah c'est bien. Oh ça va, ils sont rigolos ces chevaliers là. C'est cavalier. Ils sont rigolos. Ça va, quand on les voit, eux on est à la maison, quand on sait qu'ils sont gratos. Même si bon, il fait un peu de dégâts quand même. Mais bon ça va. On les a suffisamment vus affronter. Et là, je parie, là, je reviens de nuit, on a un troisième sur le pont, là, un cavalier crépusculaire. Oh, vas-y, et tu sais quoi? Juste pour la vanne, je tente. Je vais de nuit, je regarde. Non? Pas de cavalier crépusculaire? Oh! Les gars! On sait qu'à la moitié des choses là! Putain, il y en avait deux, c'était l'occasion! Ou alors ils sont plus loin, à tout moment c'est les deux autres, ils sont remplacés. Ah non, mais il y a genre zéro cavalier! Oh non! C'est con! Ah dommage! Dommage un peu en vrai quand même. J'aurais rappelé Elden Ring, jeu de base, voilà, on a le cavalier de jour et le cavalier de nuit. Bon voilà, dommage. Bon, par contre j'ai vu que là-haut, là sur cette plaine, il y a le boss final du jeu. Les moustiques. Bon allez, rallume la lumière par contre. Faire passer le temps jusqu'à midi. Et bonjour, c'est l'heure du caf. Ah, bon. Là où il y a le boss final du jeu. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. Alors déjà, le boss final du jeu, je t'explique comment je lui donne tout le respect qu'il mérite. Voilà, dans ta mère. Voilà, hop. Hop. Et enfin. Oh, c'est lui le boss. C'est lui le vrai boss. C'est lui le boss du coin, c'est bon, j'ai, c'est lui. C'est lui le vrai, le Troulas boss, c'est lui. Oh, il est énorme. Non, il est mort. Pas énorme, il est mort. C'est bon. Mort. Mort. Ah si, par contre, il était... Oh, il était stokos par rapport aux autres, eh. Ah. Wouah, trop rapide. Waouh. Pardon. Non, c'est une blague. Ça, c'est une blague, par contre. Non, ça va, c'est bon les bugs là. Mais ça va peut-être aller, en fait. C'est quoi ces bugs à la con? Non mais... Tort. Moins un. Waouh. Non, ils sont buggés, arrête, ils sont buggés. Ça va, c'est bon, ils sont buggés quoi. Tout qui passe à travers, même la magie en AOE, ça les touche pas. Ça va, c'est bon à un moment. Ça va. Ça va me prendre pour un débile. Hein. Oui, n'empêche que l'eau, il n'y avait rien.
Ou on va te faire enculer. Pardon, excusez-moi. Ma surprise. J'aime pas trop les surprises attaques comme ça pendant que je regarde pas là. Ouais, ciao. Je viens de se faire tuer par des moustiques. Ah, ce serait un petit peu la honte ultime, je dois bien l'avouer. Maintenant, ça doit arriver, bah écoutez, qu'à cela ne tienne, hein. Ça arrivera. Oh, attends. Ça va où tout ça, là? Parce que là... Oh, vas-y, ils ont mis des moustiques partout. Oh, d'accord. Encore des tortues. C'est quoi votre bail avec les tortues, bordel, mais... Non, ça c'est pour descendre, c'est pas pour monter, vu l'espacement qu'il y a entre les marches. C'est un espacement qui est bon pour tanker des dégâts de chute et pas, pas pour sauter pour y aller. C'est un chemin retour et pas aller. Stop. C'est quoi ça? Faut s'inquiéter de ça? Oh merde! Ah oui, faut s'inquiéter de ça, oui, en effet. Enfin, s'en inquiéter dardard, oui! Effectivement! Ok, il y en a partout. Les bouffes des doigts là. Les espèces de vers là. Miam miam miam. Oh non, encore les moustiques, sérieux. Ah ciao. Il y en a partout ici, putain, c'est soit on a les. Soit on a les espèces de lombriques dégueulasses là. Soit c'est les moustiques. Belle ambiance hein. Oh là 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 là, quel enfer. Bonjour, merci, bonjour. Ah. Salut, des choses qui se cachent par ici. Nope. Oh putain de merde. Oh, je l'avais dit ça. Oh, ça sent... Oh oui. Toi-même, tu sais ce qu'il y a là-bas. Oui. Oh putain, je peux y aller direct là? Allez. Let's go chasser le 35e boss. Miam miam miam, le bon spot à bête stellaire là. Ouais. Il est vu le spot, il est vu. Ah d'ailleurs. Il est tellement vu. Ok. Ah mais va te faire foutre. Putain. Oh, je l'ai eu. Ce qui m'a mis dans... Ce qui m'a enlevé comme vie. Enfoiré! Putain, mais la violence du bug là! Là, regarde, il est en train de spawn. Putain de merde. Oh ouais, ça c'est totalement un cratère à bête stellaire. Bon, un cul! Allez, come on! Allez! Sacrée musique, hein. Oh putain, elle est plus grosse que les autres! Oh, elle est plus grosse que les autres, celle-là! En mode safari. Voilà, voilà. Merde. J'ai perdu le lock. Attrape-le. Bordel de merde.
Eh ben. Non. Vendu. Enfin, c'est loin, ça. Putain. Ah, dans ma mère. Ah, sérieux, le one tap du cheval, vraiment. Ah, bah, so long. Oh putain, il y en a plein le cul que le cheval il se fasse one tap, sérieux. Non. Oh le bâtard. Sérieux, non, ça c'est abusé par contre. Eh, c'est se foutre de la gueule du monde ça. Arrête, putain. Je suis en pleine animation, c'est quoi ces conneries? Ah, fait chier, merde. C'est beaucoup trop de temps là-dessus, puis j'ai perdu beaucoup trop de potions pour rien. Oh. Cependant. C'est quoi ça? 36 d'intel. Lance un projectile gravitationnel qui attire les ennemis avant d'exploser. Oh. On raconte que cette technique proviendrait de l'obscurité la plus totale des contrées lointaines. Là où vivent les créatures stellaires. Oh, d'accord. L'un demande une hache, l'autre une lance. Les deux effectuent des charges. Ah, d'accord. Ah, ça c'est cool. Très très cool. Bon, bah du coup, ça fait 35. Ça fait 35 et je n'ai plus de potions. S'il m'en reste une. Mais bah ouais. Elle part dans le reste du choual. Ah, dommage, 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 dommage. Après, je peux toujours aller... Ouais, je vais aller là. Je vais récupérer mes popos. Au moins, on prend pas de risque. Jean YouTube, aujourd'hui, nous chassons un gibira, les bébés... Les bêtes stellaires. Les bêtés stellaires. Ah, les bêtés. D'accord, les bêtés. Les bêtes, non, les bêtés. Très bien. Alors, la vertu médicinale de sa viande, moi, j'irais pas croquer dans les cailloux, hein, personnellement. No King James, encore une fois, mais quand même, hein. Ah, les buteux stellaires, ouais, voilà, c'est ça, les buteux. Les buteux stellaires, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Oh merde. Oh merde, bordel. Plus de pile. Non, vraiment. Oh putain, arrête. Mais bordel. Fous-lui dans la gueule. Oh, cette magie quoi. Waouh, 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 ouais, d'accord, ok. Bon, maintenant, alors, attendez. Toujours en aggro. Ah, pas de problème.
Bref, tout ça pour dire, fin de la blague. Il y a trop de monde, ça prend trop de temps, ça consomme trop. Die, motherfucker, die. Really, bro? Faut savoir pourquoi. Lui, il a survécu? D'accord. Enchaîne. Il est temps de tout passer au karcher, bordel de merde. Aïe. Allez, hop. Du vent, du balai. Ça dégage. Va voir tout ça, moi. Non mais oh. Alors, quoi encore? Suffit, hein. Bon, faut pas oublier non plus que c'est le domaine des paluches. Et ben voilà, il suffisait d'en parler pour les voix, hein, n'est-ce pas? Ok. L'heure est à la purge. Ah oui, non mais là, la grosse purgeasse, hein, là. Bon, on est en plein milieu du champ des WAD. Ah, pas encore. Ah non, mais alors, mais ouais, mais pas du tout. On fait à peine qu'effleurer la surface. Oh, c'est une grosse paluche, ça. C'est mal la taille. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette procession? Putain de tam... Sortez le karcher! Au secours! Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours! Bordel de merde! Oh, la procession du fion! Y'en a combien? Bit! Oh! Vingt dieux, papa, maman! Et tout ce monde là au pique-nique. Je vais atomiser la zone. Je nucléarise tout ça. Je nucléarise tout ça. Where the fuck are you? Vous arrivez d'où là, ces infinies saloperies hein? Ah, font des petites balades comme ça et se musclent les doigts. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, vas-y, viens, ouais. Ah, vous êtes en pèlerinage vers le centre des Wads? Ouais, venez voir, ouais. Vous montrez-moi le pèlerinage, connasse. Vous montrez-moi ce que c'est du pèlerinage. Venez là. Je me cache. Je me tire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Why, oh why? Ouais, ouais, ta gueule, ta gueule. Nucléarisation de la zone, bordel. Hors de question. Option, crevez tous. Option, quel cauchemar. Oh mais c'est quoi ça? C'est le lieu des pèlerinages des Wads ou comment ça se passe ici, bordel de merde? À demain, t'as ton épée qui fait du feu. J'aime pas le... feu. À moi les popos! À moi! Option IAM atomique. C'est peut-être bien la seule chose bien de cet anime. Premier degré. Combien de temps il nous reste là avant le trailer? Trois quarts d'heure. Colline des doigts de pierre!
La zone a l'air tellement immense. Mon dieu. Excellente idée ça, le coach vu d'en haut. Regarde les forêts de doigts là. En forêt de verre, de terre dégueulasse, de lombrique nulle, à poils roses là. Perché sur les doigts en pierre. Hein. Là-bas, il y a encore moult paluches. Ouais, donc il va falloir faire un petit tour là-bas. Mais je pense qu'à mon avis, là, mon intérêt, c'est de... Je vais pas dire de rush, mais d'aller au centre de la zone en bas. À mon avis, c'est là-bas que c'est chaud. Personne l'a vu, lui dites pas. Hein. Lui dites pas que personne le voit. Hein. Viens la saloperie. Et qu'on va pas y couper, toi et moi, c'est parti pour une danse. C'est non. J'ai dit c'est non. Aïe. J'aime bien les zones où on voit. Vous aimez bien vous aussi voir dans les jeux vidéo? C'est bien de voir. Moi j'aime bien voir. Là on voit... Oh, enlève, vraiment ça sert à rien. Là c'est vraiment mettre les pleins phares en plein brouillard épais, on n'y voit pas à 3 mètres. Enlève-moi ça. Ah mais ça c'est la... Ça c'est l'appel à me prendre des singeries dans le fion. Hein. On n'y voit rien. Je vois pas s'il y a des choses sur les... Mur. Alors, ouais, là y'a un truc là, skip là. Ouais. Hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un verre. C'est un verre de terre. Et badaboum. Putain, le voyage est encore long. Hein. Eh ben. J'ai comme l'impression que je suis fermement attendu. Hmm. Ruine des doigts de Déo. Réa, Déo. Ils sont rigolos vos noms. Hein. Non. Qui c'est ça là-bas encore hein. C'est quoi cette région bondée de fallus? Ce sont des wads. C'est des champs de wads. Je peux comprendre que... Non, je comprends la question. Je peux comprendre, évidemment. Première lecture, c'est pas quelque chose de... c'est surprenant, dirons-nous. C'est déroutant, même. Ah, regarde-moi les petits. Ah, bah ça, je dis pas non. Merci. Attends, petit bâtard repéré sur la gauche du chemin, là-bas. Ce petit chemin qui sentait la noisette. Ce petit chemin rempli de quéquettes. Hop, je vais aller par là. Encore là, je suis choc-bar. Et encore, dis-toi que t'en verras un avant. Ça, là, je suis à... Je suis loin dans le jeu, là, quand même. Bah. C'est lui, là? L'idiot que j'ai vu? L'idiot bête du village nul, imbécile? Il y en a un assez tôt que tu vas voir dans le jeu, hein. Mais vraiment, c'est... Sauf que le premier est plus petit. Celui-là, il est vraiment format XXL, par contre. Hein. Oh, putain. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Vu. Target on site. Lui aussi m'a on site. Malheureusement. Ouais, ok. Il va me baiser. Bientôt de me proposer d'invoquer, connard! Bon, au cas où, vu que je sais pas ce qui m'attend ici... Merde! Oh bah si! D'accord, je sais ce qui m'attend. Au secours!
Ah non. Ok. On ne s'éloigne pas du trajet. Tu vas avoir de quoi t'éclater, hein, je te le dis. Quelle heure? Faut que je surveille l'heure, faut qu'il y a 2h30, on soit en train de... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Alors, visiblement, l'accès à l'espèce de sifflet au centre, là, ça va pas se faire comme ça. Hein. Oh, les enfoirés. Bâtard, il y a d'autres mages. Sur l'autre, il y avait qu'un seul mage. Ah, les petits ont... Pose ça. Merde, il est trop loin. Réarme! Elle a mis down. De bois. Ok, donc s'il y a un magot ici, on n'est pas à l'arbitre, il y en a un autre à gauche du chemin. Il y a encore des verres. Apparemment, la défense de ce lieu avait l'air vraiment d'être exclusif aux ces espèces de lombriques dégueulasses. Hein. Les mains, apparemment, elles ont pas leur voix au chapitre. Hein. Ça dégage. Ça dégage. Waouh, c'est l'arme de qui t'as lancé clair? C'est la lame. C'est la. L'éclair de Grand Saxe. C'est la lance que l'on ramasse sur le cadavre du dragon géant. Qui est. Qui s'est écrasé dans, sur les bâtiments de la capitale de Leyndell dans le jeu de départ. T'as un immense dragon qui est couché sur les bâtiments. Et bah, il a cette arme-là, en fait, plantée, mais version XXL à côté de lui. Version bah, taille de dragon, quoi. Ok. T'es pas au courant, merci. Ah bah, avec plaisir. C'est une des armes légendaires du jeu, en plus. Hein. Si t'es un peu complétionniste sur les bords, niveau, comment dire, trophée, platine, tout ça, c'est une des armes qui te permettra de platiner le jeu. Personne n'est la cloche, évidemment. Talisman de graines céruléennes plus 1. Augmente grandement les PC reçus par la fiole de l'arme céruléenne. D'accord. J'ai pas déjà un truc comme ça? Là j'ai toujours mon talisman du chaton là. Merde. Ah si d'accord, c'est la version améliorée. Ok. C'est une cloche. Oui tout à fait oui. Je fais un bisou à la beuteux. Et puis câlin bisou chouchou. Voilà, ça souffle. Tu souffles dans le poireau. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, écoutez, à un moment donné, un curé d'une église qui s'appelle Métier Lanus, qui me donne un sifflet qui me permet de souffler dans un poireau géant. Enfin bref, à un moment donné, bon, hein, on commence à comprendre un peu le rapprochement. Ruine des doigts de Déo. Bon, c'est bon, je l'ai fait. Je vais retourner voir Métier Lanus. Qu'est-ce qu'il en pense, Métier Lanus, là? Il a dû l'entendre, là, ces Wad, là, il a dû les entendre vibrer d'ici, là. Et là, j'arrive, bagarre. Genre. Non, ça va chier. Alors, maintenant, il va falloir bien me parler, là, et me dire des choses qui vont me plaire. Bonjour. I told you why I've no interest in companionship, but I must admit, Count Ymir did seem very pleased. Perhaps an exception is in order. Ymir is a shining star, in our eyes, the only star upon the black canvas of the night. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. We will never again lose our way in the night. I have spoken far too freely. Pay me no mind. Let us focus on our shared purpose, our service to Count Ymir. T'as une voix, meuf, c'est incroyable. Now. Alors. Bien sûr, toujours dans le jeu, bien sûr. Naturellement. Il rigole, lui. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais, trop bien! Hein. But rest assured, this is no ill omen. On the contrary,
I believe that this portends a magnificent starry cascade. Eh ben, tu m'en vas ravi. Take this, my final gift to you. May you join the glimmering stars above. Tu vas voir le katana de la meuf derrière là? Ah non, je peux même me faire foutre, d'accord. Encore des cartes de ruines. Oh. Oh, oh, oh. Chier. Des cartes rudimentaires, décolorées et sales obtenues auprès du Contimir, le grand prêtre. Indique l'emplacement d'autres ruines sacrées différentes de celles figurant sur les deux premières cartes. Puissiez-vous rejoindre les étoiles indiantes. Oh, encore des ruines avec des doigts. Oh, puis celles-là sont souterraines. Oh. Oh, yes. Oh, yeah. I believe oh, yeah. This evening is a sign of a greater night to come. Bien sûr. Bien sûr. Interrogé sur la nature du monde. Do you recall what I said? Non. That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start. Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. La mère de qui? The fingers are but unripe children. Victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother. A true mother who will not give birth to further malady. Attends. Parce que t'es en train de me dire que ça, là, les facehuggers, les aliens et tout, là, tout ça, ça a été engendré par une saloperie? Et apparemment, c'était. Tournicotant avec Marika, qu'est-ce que c'est que cette blague? Oh! What the fuck? Microcosme fugace fait apparaître un microcosme qui émet une unique pulsation avant de disparaître en explosant. 42 d'intel, what the fuck? Fait apparaître au pied d'un ennemi une image de microcosme qui émet une unique pulsation avant de disparaître en explosant. Chargé ce sort pour accroître sa puissance. Putain, ça a l'air bien ça. Vas-y, donne. Oh, j'adore l'idée. Trop marrant. Ouais, pareil, ouais. Bon, ça va là, ton pote là, il a l'air de. Il se met bien là, il me donne encore une carte là. Parce que je vais en faire à force, hein. Be on your way. Ok. Eh ben, c'est ciao. Je ne suis plus dans une zone de non-agro. Je vais... rideau de la zone. Sort mémorisé. C'est quoi, là, ton... ta connerie, là? Ça a l'air bien. 42 d'intel, par contre. Hein. Putain, ça vibre, non? Ok. Vas-y, fais tester un peu, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Oh, c'est joli beau. Oh. Pas mal. Ah, quand je charge pas, ça fait ça. Ça fait un petit pétou. Et quand je charge... C'est pas la même, hein. Wouah. Ok, RPL Don't Beast. J'aime beaucoup ce que je viens de voir, au secours, let's go, merci beaucoup. Oh, j'ai peut-être, en parlant de l'aile Don't Beast, j'ai peut-être pas besoin de conserver son arme dorénavant. Sauf si subitement, il va falloir encore faire une nucléarisation d'une zone couverte de WAD. Qu'est-ce que je suis en train de foutre du con. Mais, oh, qu'il est bête. Non mais vraiment, les tartes qui se perdent là, je vous jure. Ok. Ah, bah il est parti gros bout. Il est parti là-bas. T'as autre chose à me dire maintenant qu'on a rechargé la zone? Bonjour. Non. Bah, va chier. Donc ça veut dire qu'on peut y retourner. Bah ça doit être ça à tous les coups, la troisième suite de ruines là. Ça doit être là-dedans que ça se passe. Bon bah oui, à tous les coups. Ouais. Une petite demi-heure avant le début du trailer là. Ouais, on est bien. On est bien. Ouais ouais, c'est ça, oui, bah ça c'est les autres ruines, ouais. Ouais, complet, ouais. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, il y avait encore un... Il y avait encore un bazar là-bas, mais je pouvais rien en faire. Ok, ok.
Ruine des doigts de Myr. Myrée, messieurs, Myrée, Myrée. Myrlanus. Myrélanus, messieurs, Myrée, Myrée, Myrée. Putain. On avait déjà découvert cette zone au, un peu au hasard. Oh merde. Ah, là par contre c'est pas les mêmes ambiances là. Ah, alors là on a un problème là. Là c'est pas les mêmes ambiances là. Je souffle le poireau. C'est mal la taille du poireau. Des conneries. Oh putain. Je suis dans un océan de doigts. Oh merde. Bonjour. Alors. C'est pour ici la manucure gratuite. T'es mal à la taille des poireaux. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah mais ça a des bras dans des bras avec des bras et des doigts et tout cassé et tout tordu. Et... une tête qu'on voit là-haut? Tête sur ce truc? Ça, oh putain mais oh y a des toyopas. Tu vas où toi? Par là que ça se passe. Bonjour. Ah. Ah c'est le mec bizarre au-dessus là, Métier l'anus là, il m'a filé un bon pour une manucure gratuite. C'est là, c'est vous là, la personne qui... Métier mère des doigts. Bah oui, Métier Manus. Manus. Putain de bordel de... What the fuck? Pardon, peut-être pas que je gueule. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Alors la musique elle est incroyable. Oh putain son père. Get Soulved. Oh putain. Ah ouais d'accord. Bon alors, toi je te mets au parfum direct, ça va pas se passer comme ça. Ah hein. Oh, bah peut-être que si en fait. Oh putain, oh la vie. Aïe. Oh, oh des vers partout, dégueulasse. Oh. Oh bah non. Oh bah non, oh bah non, là j'ai des ads maintenant. Aïe ya, putain elle fait mal. Fais mal la daronne des wads là. Fais mal la manucure là. Mort, 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 mort. Mort, mort. Il y a 800 000 runes, je suis pas énervé. Mort, mort. Ah, il est fichu de Marika, bien sûr, il connard. Il y a 800 000 runes, je suis pas vénère. Ok. Il y a une note vénère à Toul. Ah, ça va être bien. Surtout que là, ma potion... Ah si, j'ai remis ma potion de tank kiné se daser. Oh putain. Oh, ça va être du sport, ça. Oh, ça va être bien sportif, l'histoire, là. Ah bah, ça va être bien. Ah bah, ça va être vraiment bien, la zone. Au pire des cas, ce qu'on fera, c'est que si j'ai pas fini le boss, on mettra la VOD en pause et puis on ira se mater le trailer. Alors, le blême, c'est que, putain, pour l'approcher, faut se lever de bonne heure. La garce. Se laisse pas faire, hein. Vas-y, bois. À demain, mon copain. Allez, hop, à l'attaque. Où sont mes runes? Merde, où sont mes runes? Où sont mes putains de runes? Oh non, mes 800 000 runes. Ouais, 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 ta gueule. Où sont mes runes? La Mimix serait temps de s'impliquer là. Oh oh. Alors non. 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 Aïe. Oh vas-y. Sont mes runes? Mais... où sont mes putains de runes?
derrière. Oh, je les vois. Merde. Oh non, ça va être un problème. Putain, je l'ai entendu me tester sa merde. C'est bon, je suis en pleine possession de mes moyens. Allons-y. Jour à demain, allons-y. Aïe aïe. Ok. Mort. Ah bah ça va être bien. Ah il va être bien ce boss là, je le sens. Hein. Oh putain. L'Elden Beast version gros watt de partout là. Miam. Oh, ça va être bien. Ah, la mimique a l'air de se toucher la bite. Hein. Et le pire, c'est que vraiment, à Skip, les invocations ont été rendues moins passives. Ah, c'est dire à quel point ça devait être un énorme flambi contre ce boss au départ. Point. Donc mes runes, elles sont là en fait. Voilà mes runes. Si elles sont là. Puis une vue. Bon alors. Ding. On boit un coup. Alors le truc étant, c'est vrai que aussi je suis en train de penser que j'ai assez peu d'équilibre avec cette armure. C'est peut-être ça le problème en réalité. Enfin, ce n'est pas que ça le problème, mais bon, ça y contribue quoi. Oh, joli le doigt de pied qui a tanké ce tir. Merci à lui. Et du coup, il n'y a qu'un endroit où on peut l'attaquer quoi. Je tente. Bravo, belle esquive. Ça va. Rien ne va plus. Non, merde. Oh non. J'ai la feinte. Hop là, j'ai le timing. Ah, j'ai dans la gueule. Oh, t'as perdu tout le monde. Toute ta famille. La totalité. Hein. Lance de mesmer, allez, on y va. Oh oh. Non, ma mère. Oh, je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Pour le stream de Mandaï. On est sûr que ce sera sur la chaîne de Mandaï du coup? C'est validé ça? C'est validé de la validance? Et vous savez quoi? Je vais tenter de lui mettre son... Je vais tenter de lui appliquer sa propre médecine. Et la Mimi quoi, elle est bel et bien en train de se palper les parties. Hein, ça fait plaisir. Combien une? En vue, mais loin. Oh, c'est beau, mais c'est vu, c'est beau, mais c'est loin. Ah merde, du coup, la mimique, elle va spawn avec. Le bâton et la lance. OMG. Ça va pas du tout être chiant. Oh là là, ouais, comme l'emplacement de mes runes en fait. Je peux pas appeler le cheval. Bah non. On va ratisser très large, hein. Vraiment très, très large. Les runes, elles sont là. Voilà, on dérange pas
On ne dérange pas une salade de doigts qui dort. Alors c'est marrant, mais à chaque fois que tu invoques la mimique, ça freeze. Ah bon ? C'est super. C'est vrai que c'est très drôle. Pas du tout. Bon, j'ai oublié de prendre ma potion. Ah d'accord, j'ai compris. Le pattern que ça fait. Oh oh. Oh bah ouais, ouais. Bon boulot, ça, j'en règle ça. Ça a pas l'air dingue, hein. Poto. Bah ça va peut-être aller à un moment donné la range de l'attaque de ma bite. Non, c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette blague? What the fuck is this encore? C'est trop loin ça monsieur, c'est trop loin. C'est beau mais c'est loin. Oh ça c'est beau mais c'est proche. Enfin c'est moche et c'est dans ma... Oh bah dans ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh oui d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Putain. Mais empêchez-la de nuire! Mais... Ta gueule! Ta pourriture de... Pourriture communiste! Meurs! Oh là, 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 ça c'est pour moi, ça. Il y a marqué ma gueule dessus, là. Ouais, il y a marqué ma gueule, ouais. Ouais. Elle est où ma mimique? Bah, elle est morte. Die, motherfucker, die. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. 12 rayons même, si tu veux. 12. Elle aussi, elle a une hyper armor. La reine des Wads, là. Non. Note Bolossed. Oh. Oh, ta mère, la chouin. Voilà. Oh bah bah. Au revoir. Oh putain la vache. Et pourtant j'y vais de bon cœur. Hein. Oh ouais non mais C'est quoi ce boss quoi putain? C'est quoi ce boss mortel de merde? Oh putain mais ils sont vraiment rebou. Eh hey, mais FromSoft, hein, y a un moment faut... La weed. Faut y aller Faut doser à un moment, hein, c'est chillax, hein. Putain. Oh putain de merde. J'ai changé d'armure, il me faut une armure avec plus de résistance. Enfin, plus de... réduction de dégâts, enfin, tout ce merdier, quoi. Plus d'équilibre, surtout. Bah, quoique, l'équilibre est pas si mauvais, en vrai... j'ai pas trop... Je cherche pas trop à lui caler des dégâts en vrai avec ça. Je vais plutôt essayer de capitaliser sur la résistance globalement, des PVI. Ouais, quoique. Si j'étais sûr de pouvoir l'enchaîner avec la lance de Mesmer, qu'est-ce que je lui mettrais dans le fion à cette garce, dans le jeu. Elle a pas l'air d'avoir de P2.
Enfin, sa P2, c'est un changement de pattern, vite fait. Oh, les runes sont sur elle, je vais pas m'énerver. Alors, la mimique, on va la mettre dans de meilleures dispositions. Je pense qu'on va la mettre avec ouais, la lance de Mesmer dans les mains. Ouais. J'ai pas gardé le bâton. Oh, faudrait essayer de lui caler la putréfaction à un moment. Voir si ça peut matcher. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'essaie de la prendre par surprise? Dans le jeu, toujours. Hein. On va essayer de la contourner et d'aller récupérer les wads. Non, c'est pas gagné mes affaires, là. D'ailleurs, le spell de Microcosme, ça vaut quoi sur elle? Ça vaut les 3-4 tries que j'ai essayé pendant le dernier combat et c'était pas bien brillant. Hein. Le problème, c'est qu'elle arrive à esquiver la moitié du pattern de l'attaque, donc... pas dingue. C'est pas dingue, dingue, dingue. Et moi, là, le touriste derrière. J'ai chier de courir un peu. Petite foulée, on trottine tranquillement. Là, c'est le jogging en matinale avant le café. Là, après 9h30, c'est la pétanque jusqu'à 11h30. Après, c'est pastis. Hein. Je dois te tuer, connasse. Alors, par contre, là, normalement, à mi-chemin, voilà, elle se réveille. Moi, je ramasse ça et je fais tchao. Ouais, ouais, ça va, c'est bon. Hein, voilà, ta mère. Mange ça, pétasse! T'aimes ça la putréfaction? Ah, c'est con, hein! Bite! Bite, cul. Voilà. Oh merde, fais chier, bordel! C'est mort. Bah ouais. Bon, un coup. Alors, t'as bousillé tous ses doigts là? Oh le régal. Oh, t'es une mère exemplaire toi. Ah, y a pas... ah non, pas douter. Connasse. Tiens. Toujours en train de pourrir dans l'intérieur. Ah, pourri bien. Ah, ouais, c'est ça, tout pareil. Ouais. Y'a rien, mange. Aïe, aïe. Oh bordel. Ça va être douloureux ça, non? Ah oui, merde, c'est ça. Oh là là, le bordel. Mais, tu fous là, toi. Mais, va te faire foutre, je sais pas, non? Je vais me faire buter par la merde. Ah. Elle était toujours en train de pourrir. Elle était toujours en train de pourrir. La putréfaction, Bombay, quoi. Tout ça parce qu'il y avait la petite main de merde qui a tenté de me faire mon petit toucher colorectal, là. Putain. Et pendant ce temps-là, l'hôtel m'a envoyé son météorite dans la... Connerie. Elle souffle dans le poireau, là. Souffle dans le poireau, là. Titiche. Pourquoi faire pour qu'elle se fasse OS sur les sorts de gravité? Bien sûr, bonne idée. Pourquoi tu la focuses ta minima aussi? Bah je sais pas, ça me paraissait pertinent de focus l'ennemi qui est en train de me rusher. Je sais pas. Ça me paraissait safe hein, globalement hein, de... Merde. Ah bah du coup elle aura la lance. Pas dommage. J'ai le bouffe qui me fonce dessus. Alors que l'autre est en train de me déclencher un pattern du chétan. Bah j'essaie de me débarrasser des sources de distraction. À commencer par les petits wads. Bah visiblement pour une raison qui m'échappe complètement, mon coup est parti à côté. Donc, mon coup dans le doigt est parti à côté. Est-ce qu'elle aime pas le feu? Elle a bien l'air de s'en battre les couilles. Hein. Vraiment. Hein. Elle a bien l'air de s'en battre l'arrêt. Hein. Mais à un niveau que je ne saurais moi-même décrire. Hein. Mais ce qui me remplit de joie, c'est qu'elle prend la putréfaction écarlate. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est à côté, monsieur.
Oh oh. Oh oui. Oui, la mimique. Oui, elle a compris. La mimique, elle a tout compris. Oh, énorme. Oh, la mimique banger. Oh oh. Alors ça, c'est pas banger du tout. Ça, c'est douloureux. Not banger at all. Ah, la mimique, je suis navré, tu vas te sentir passer ça. Oh, 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 ça va, ça va, ça va, c'est bon, hein. Hey, bonjour, vous. Tiens, regarde. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Ouh, putain, incroyable. Oh. Allez, pas de sentir obligé, hein. Oh les stuns. Oh va faire... Va crever dans ta chiasse, connasse. Tiens. Allez, ciao. Oh putain. Oh le baroud d'honneur. Allez. Ciao. Ça dégage. En plus de ça, j'ai quoi prendre mon level. Allez hop, so long. Ça dégage. Saloperie. Bestiole dégueulasse. Dégueulasse. Et finalement, on a changé quoi? Rien. Il était nature. Voilà. Allez, ça vient, ça dégage. Je peux en entendre parler, c'est ciao. Bon, c'était ça la reine de Métir l'anus là. Oui, forcément. On commence à comprendre. Alors, bonjour, montée de niveau, merci bien. 65 en dex, allez hop. Hop, ciao. Et du coup, il va pas être content, gros bouffe là, que j'ai vaincu sa... le berceau des doigts. C'est là qu'ils sont bercés. Ah bah t'inquiète, moi, c'est maintenant, ici, c'est une manucure. Ah, il va être content l'autre en bas là, enfin l'autre là-haut là. Ah, je vais aller le voir, tiens, regarde là, ton métier à l'anus là. Tu veux qu'on en parle deux minutes là? Ah, à quel point je l'ai étiré. Et puis d'ailleurs, si jamais tu as le malheur de me dire un truc qui me plaît pas, tu prends Ludo au travers de la gueule. Bah, il est pas là. Bah, elle non plus. Ah, ça c'est un problème. Dois-je m'inquiéter? Alors, de ce que je vois. Ce n'est plus une zone de non-aggro. Saminaire. What have you done? You've wounded Count Emir most irreparably, such that he wishes for your death, and I must end. Oh, elle a une garde. Wow, 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 wow. Oh putain, tu fais mal. Oh, tu fais mal, connasse. My dear star, fine mother, you will be my shining star. Grant me a mother's strength. Look here at my fingers. I will be the true mother. And I will be the only mother. Oh bâtard. Ah c'est comme ça. Mais là, c'est enculé. Ah oui, bien sûr. Bah oui, oui, bah bien sûr. Ah oui, je suis Keblo dans le mur, là. Putain, oh. Mais c'est bon. Putain, je suis Keblo dans le mur. C'est quoi cette connerie, là? Mais ça va pas, non? Bah bien sûr, bah super. On est bloqué dans le décor. Non, mais je vais aller te le dire. Enculé de ta race, là. C'est quoi, cette histoire, là? Non, mais vraiment, quoi.
Putain, fais chier, quoi. Nous, on devait le one try, quoi, et là, je me fais baiser par le décor, quoi. N'importe quoi. Hein. Ça, y'a rien de tel pour me casser les couilles. Hein. Faire baiser par une connerie du décor, ça, franchement, y'a rien de plus frustrant. Hein. Maintenant, tu reviens, et je vais te régler direct. Ah, faut que je me retape l'autre pouf, en plus. J'ai plus d'endu. Elle va mourir. Maintenant l'autre là-bas. Là. Mon pote, je t'en prépare une. Ouais, c'est ça. Ouais, t'inquiète, vas-y, sors de là. Pleure un petit peu, ta putain de Shining Star, enfoiré de ta race, là, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Laisse-moi te loquer. Putain, va te faire foutre, déjà, ça, pour commencer. Bien enculé. Voilà, d'accord. Il va m'en chier combien de ces horreurs là? Non mais, oh stop. Oh, ça suffit maintenant. Ah mais en même temps, bah je suis con. C'est ma faute, idiot bête. Je suis trop con. J'ai envie d'y repenser, j'ai pas d'équilibre avec cette armure. Bonne nuit. Allez. Ça dégage. Non, mais me faire baiser par le décor, franchement, y'a rien de tel pour me faire vriller. Eh ben, perle cinéraire d'Ymir. Bâton maternel. Ah, c'est la queue! C'était la queue de l'autre bestiole! D'accord. Coiffe du grand prêtre, robe du grand prêtre, gant du grand prêtre, sous-vêtements, blablabla, blablabla, blablabla. D'accord, mon cul sur la commode, blabla. Ok, donc elle est morte. J'ai même pas eu son arme, putain, je suis dégoûté! Putain, je voulais son arme. Bon, faut que je reload de la zone parce que là, du coup, on a rendez-vous dans 5 minutes, là. Vite. Vite. Hop. Oh, YouTube. On a battu, on a gagné. Wouhou. Super, impeccable. Trop bien. On a win. Je crois que le compteur est à jour. Au pire des cas, on mettra à jour sur la prochaine VOD. Là, faut qu'on se dépêche. Il y a le stream qui commence dans pas long. Donc, faut se dépêcher. Bisous, YouTube. Au revoir, à bientôt. Salut.